Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui on va parler des fèves. Donc je sais qu'en France c'est un petit peu plus tardif, c'est pour ça que je vous fais une vidéo début mars. Comme ça vous pouvez commencer de semer vos fèves. Moi ici en Algarve il fait très chaud donc on a pu les semer en novembre, décembre. On a très peu de jours de gel, on a 2-3 jours de gel maximum par an. Donc c'est pour ça qu'on a pu commencer plus tôt. Je vais vous en dire un petit peu plus sur les fèves. Tout d'abord il y a plusieurs variétés. Moi, j'ai pris la variété d'Algarve. Ici, en Algarve, donc je ne sais pas si vous savez, mais en Portugal, dans le sud du Portugal, en Algarve, c'est vraiment le légume phare sur tous les marchés. Si vous venez un jour visiter l'Algarve, vous allez en voir partout. Je trouve que c'est un très bon légume d'intersaison. Je vais aussi utiliser mes propres graines que j'ai fait depuis l'an dernier. Donc ici, vous pouvez voir déjà qu'elles ont un petit peu poussé. Je voulais vous les montrer comme ça. Moi, je les sème en poquet. De 2 ou 3. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez choisir un écartement. Les fèves, je propose un écartement à peu près de 10 cm, quelque chose comme ça, mais je mesure pas, je mets vraiment au poquet. C'est assez facile de grandir les fèves. Je les cultive dans mon champ. Tout dépend de la taille de votre potager. Je vous conseille de les cultiver en lisière de potager. Après, ça apporte beaucoup d'azote au sol. Donc c'est très positif pour le sol. Ça peut restaurer vos sols. C'est super parce que c'est facile à cultiver pour l'arrosage. Je vous conseille d'arroser abondamment, mais pas trop fréquemment. Elles peuvent prendre, en effet, si vous êtes dans une région un peu humide, ce qui n'est pas du tout le cas ici, donc on a de la chance pour ça, elles peuvent prendre des maladies. Ce que j'ai essayé de faire, je vous ferai un retour plus tard, c'est de mettre du purin de prêle si vraiment vous voyez qu'il commence à apparaître quelques taches ou si les feuilles sont plus très jolies. En tout cas, je les espace de 20 cm à peu près entre chaque rang. Ça pousse très bien, comme ça. Donc, je vais vous montrer maintenant comment je les sème, sachant que vous pouvez aussi les semer en poquet. Dans certaines régions, il fait très froid, donc vous pouvez les mettre en poquet dans un godet aussi. Et si je les sème directement en pleine terre, je ne fais pas beaucoup de godets parce que j'ai une toute petite serre, donc je vais privilégier les cultures de printemps maintenant. Mais si vous avez l'occasion pour avoir des fèves plus précoces, je sais qu'il y a des régions où il fait très froid en France, donc vous pouvez les semer un petit peu plus précoces, dans des petits godets tout simplement. Vous mettez 3 petites fèves dans le godet, et puis vous pouvez le mettre dans une serre si vous avez une serre. Vous pouvez donc les semer en poquet, comme ceci, et remettre la terre dessus. Vous pouvez en mettre 2 ou 3, vous pouvez choisir aussi de les espacer et de faire un peu autrement. J'utilise les deux techniques. Et ensuite, moi, je viens tasser ma terre avec mon pied. Puis j'arrose abondamment. Et puis je remets une couche de paille. Et donc pour celles que j'ai semées en novembre-décembre, voilà, 2 mois plus tard à peu près, vos cultures qui poussent et puis ça monte à peu près à peut-être 70 cm de hauteur. Et ça se présente comme ça par gousse. Et vous voyez encore les petites fleurs ici. Vous voyez là j'ai une belle rangée. Celle-là je l'ai mise dans mon potager. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite de bien jardiner. On est en pleine saison du printemps. Je sais que vous devez avoir vraiment envie de vous dégourdir les doigts. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez voir des vidéos particulières sur des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, un petit like sur notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est tous les lundis, une vidéo. À bientôt !